Le Sofitel Hôtel Ivoire était aux couleurs de la marque de téléphonie mobile chinoise Tecno. La marque mondiale de la technologie innovante a annoncé la sortie officielle de son nouveau téléphone, le Camon 30 Pro 5G de la série des Camon 30. Ce nouveau modèle qui vient révolutionner la sphère des technologies innovantes a été dévoilé en présence de plusieurs invités, dont l'ambassadeur de la marque depuis maintenant plusieurs années, Serge Benoît, de passionnés de téléphonie et d'influenceurs. En termes d'innovation, l'innovation majeure est incontestablement la caméra Sony AMX 890 qui équipe ce Camon Pro là. Oui, parce que c'est une caméra qui va vous permettre de faire des photos en faible luminosité, peu importe les conditions, par manque de lumière, les photos seront toujours de bonne qualité. Il y a également un apport considérable en termes de processeur, avec un processeur Dimensity 8200 qui va vous également permettre de jouer à des jeux de façon ininterrompue. Nous avons également la grande batterie qui accompagne ce smartphone, couplée à sa charge rapide de 70 watts. Ce smartphone, comme je le disais, il est vraiment venu pour casser tout. La série Camon 30 de Tecno promet d'apporter des innovations significatives dans le domaine de la photographie mobile, avec des améliorations notables dans la qualité des caméras et des fonctionnalités avancées de traitement d'image. Une innovation qui ravit les passionnés de technologie mobile. Il faut dire que le Camon 30 est vraiment un bijou de techno mobile et qui depuis toujours nous fournit de bons smartphones. Et c'est un téléphone très performant en matière de batterie, de caméra et aussi de RAM. C'est un téléphone très performant avec lequel on peut travailler avec satisfaction. Les responsables de la marque Tecno ont indiqué que les prix conseillés sont de 140 000 à 264 000 francs CFA auprès de ses revendeurs. Tecno est une marque de technologie innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les 5 continents.